aujourd'hui, je suis là pour faire le It's My Hair Tag. C'est un tag qui concerne mes cheveux. Bon, on va commencer par la question numéro 1. Quand as-tu commencé, pourquoi as-tu commencé ton aventure capillaire? C'est parce que ma sœur Marie a dit que mes cheveux, ils étaient mauvais, ouais, très mauvais. Et petit à petit, j'ai commencé à le voir moi-même. Donc voilà. Ça fait combien de temps que tu es dans ton aventure capillaire? 2 ans maintenant. Je dirais 2 ans qu'on a décidé de bien s'occuper de nos cheveux. Es-tu naturelle, défrisée ou en transition? Je suis naturelle, vous pouvez le voir. Voilà. Quelle est la longueur de tes cheveux maintenant? Si on les étire, comme ça, ils m'arrivent au cou. Ouais. Quelle est ta longueur idéale? Ma longueur idéale, c'est au niveau des aisselles. Donc là, plus ou moins. Quand on les étire, hein, parce que comme ça, on n'y arrivera jamais. Quelle est la texture de tes cheveux? Mes cheveux, c'est la texture 4C. Oui. Cette texture, c'est la texture 4C. Il y en a beaucoup plus de gens qui ont la texture 4C. Voilà, moi je trouve. Hein. Sortez ou longueur? Moi je dirais plus sortez. Parce que ça sert à rien d'avoir des longs cheveux et qu'ils soient tout fins et tout mauvais. Si tu pourrais vivre avec un produit, ça serait quoi? Moi, je dirais le après-shampoing, parce que tu peux faire beaucoup de trucs avec. Tu peux démêler tes cheveux, les laver avec et plein d'autres choses. Quel est le pire produit que tu aies jamais utilisé? Je sais pas. Je crois pas qu'il y a un produit qui est pire, même. Je vois pas. Quelle est ta coiffure habituelle? Ben, comme vous pouvez voir ça, dans presque toutes les vidéos, je suis avec ça. Es-tu une product junkie? Product junkie, c'est je suis accro à acheter des produits pour mes cheveux. Ça, c'est pas moi. C'est plutôt ma soeur qui m'achète des produits, mais moi, non. Je suis pas tout le temps avec mes cheveux. Hein. Question numéro 12. À quelle fréquence coupes-tu tes cheveux? Pour l'instant, on n'a pas encore coupé les cheveux, mais je dirais une fois par an. Donc, voilà. Ça fait pas. Voilà. Ça fait pas 2 ans que je suis comme ça. Ça fait 1 an. Ça va bientôt faire 1 an en été. Parce que, en fait, mes cheveux, ils étaient défrisés au bout. Et naturel, comme ça. Comme ça. Et on a coupé tous les cheveux défrisés et c'est devenu ça. Et ça fait pas encore 1 an que je suis naturelle. Complètement naturelle. Donc une fois par an. Voilà. Prends-tu des suppléments? Non. Huile préférée. Moi je dirais que c'est l'huile de coco parce que ça n'a pas vraiment d'odeur et j'adore parce que c'est bien pour mes cheveux. L'huile d'olive, ben j'aime pas l'odeur. Bon. Ton crush capillaire, enfin, mon crush capillaire, ça veut dire celle que j'adore ses cheveux tellement beaucoup. Je dirais que c'est Sky Jackson, celle qui joue Zuri dans Jessie, si vous connaissez, sur Disney Channel. Combien de temps pour laver tes cheveux? Minimum 2 heures, ouais, 2 heures. Pire chose qui est jamais arrivée à tes cheveux? La pire chose qui est jamais arrivée à mes cheveux? Ouais, quand, comme je vous ai dit tantôt, j'avais les bouts défrisés et quand j'étais défrisée, parce que c'était, mes cheveux ils étaient vraiment tout fins. Et on voyait parce que mes cheveux ils étaient pas noirs, ils étaient un peu bruns.
Donc le produit a vraiment tué mes cheveux. Plus jamais le défrisant. Plus jamais. Ok. Question numéro 19. L'avant-dernière. Colores-tu tes cheveux? Jamais. Peut-être que quand je serai plus grand, je colorerai en brun. Mais ça, c'est à voir. Mais je pense pas que je vais colorer mes cheveux. J'ai jamais coloré. Qui tagues-tu? Ben, je tague tous ceux qui veulent faire ce tag. Ouais. Tag. Deux, trois tags dans une même phrase. Ouais. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de faire des commentaires. Là-bas en bas. Et des suggestions pour des autres vidéos que vous aimeriez bien voir. Et abonnez-vous surtout. Au revoir.